Et donc, c'est des rendez-vous que nous gagnons avant. Et quand il y a ces live tout chaud, il y a un plaisir pour nous avoir, pour nous un grand point qui a dominé l'actualité. Grand point, c'est définitivement premier contingent et policiers kenyans qui rentrent dans le pays d'Haïti depuis hier. Et je dis encore, d'après quelques nouvelles que nous pouvons vraiment vérifier, eh bien, il y a un deuxième contingent qui est supposé entrer dans le pays. Nous avons essayé d'entrer en contact avec quelques officiels haïtiens qui sont toujours en difficulté. Il y a un vol normalement que nous avons essayé de suivre et qui, dans mi temps information ça qui t'a parlé de contingent qui a entré dans Haïti en deuxième, et qui montrait que l'avion a quitté Nairobi et puis pour faire un scale dans New York City. Et puis pour arriver dans le pays d'Haïti, ou bien dans Port-au-Prince plus précisément, et vers zone 6h. Mais nous dans l'information que nous-mêmes avons bousqué par bon ici, dans VOA Creole, nous avons essayé de jouer l'information, notamment sous vol là, mais nous ne pouvons pas jouer aucune confirmation sous tout détail qui a un rapport avec vol là. C'est ça qui fait que toutes les bagages étaient au conditionnel pour un deuxième contingent à rentrer dans le pays. Hier, tu as gagné le Premier ministre Gaye Koni, lui-même qui était allé visiter la base policière Kenya, ça, dans Port-au-Prince là, côté lui réitérer un engagement que lui dit que le gagne tout avec le pays Kenya pour avoir un objectif et un engagement ensemble pour être capable de rétablir l'ordre sécuritaire dans le pays d'Haïti, ville par ville, et département par département, commune par commune, arrondissement par arrondissement, section communale par section communale pour mettre la paix dans le pays d'Haïti. Et nous sommes capables de tout, et il y a l'autre monde qui fait déclaration tout dans le même sens. Il y a un pile réaction tout qui sorti dans Washington, et il y a un pile monde qui parlait notamment de réaction John Kirby. John Kirby, c'est responsable de communication dans la Maison Blanche. Il y a tout Matthew Miller qui c'est porte-parole département d'État américain, et puis il y a le président Joe Biden tout qui t'est parlé, qui bat bravo pour arriver force Kenya yo dans le pays d'Haïti. Il dit grâce à support États-Unis, force Kenya yo qui fait partie mission MMAS là, qui c'est mission multinationale pour soutien sécurité dans le pays d'Haïti. Il dit que y a tant mais GFOR qui pral bay haïtien yo un soulagement que au besoin en pile. Déclaration ça paraît dans site officiel et la Maison Blanche, côté exprimer gratitude pour pays qui yo même pral côté volontaire pour capable venir côté coller. Et président Biden dit encore que moi félicité et puis moi très reconnaissant devant tout pays qui promet personnel ak support financier pour appuyer mission ça qui pral gagner éventuellement 2500 membres. Et la donne que Kenya pourra le diriger parmi eux, il y a pays tankou et Bénin, Jamaïque, Bahamas, Belize, Barbade, Antigua, Barbuda, Bangladesh, Algérie, Canada, la France, l'Allemagne, Trinidad, Tobago, Turquie, Royaume-Uni, et Espagne. Donc un paquet de pays qui dit mieux même, qui dit qu'il y a poté support pour mission ça, qui a gagné la donne 2500 membres. D'après la Maison Blanche, États-Unis, Haïti, plus passé 300 millions de dollars assistance, et puis il y a fait de 60 millions de dollars équipement. Ma propre chiffre là pour la contribution des États-Unis, c'est 300 millions assistance, et puis il y a fait de 60 millions de dollars équipement. Déclaration et président Biden, non, fini pour le dire, Haïti c'est un pays extraordinaire, et peuple haïtien mérite ça, moun tout partout mérite, en parlant de sécurité, et opportunité avec liberté, la vie américaine enrichie grâce à contribution immigrants haïtiens et citoyens haïtiens américains. Les États-Unis étaient toujours et pourraient toujours continuer disposer assistance importante dans la question sécurité humanitaire et développement économique, et la donne des supports ferme administration moyen pour commerce préférentiel avec Haïti. Donc ces déclarations que président Joe Biden fait dans l'occasion d'arriver premier contingent, premier groupe policier Kenya dans le pays d'Haïti. Faut dire tout que le ministre des Affaires étrangères pays Canada, en parlant de Mélanie Joly, qui a annoncé que pays versait un lot 5 700 000 dollars pour soutenir la mission multinationale. Là. Et là, elle dit un lot, là, ça veut dire qu'elle était déjà décaissé déjà pour COP Haïti. Madame Joly fait connaître que le pays a contribué tout. Sous l'autre forme, action pour, et par exemple, la porter formation pour agents qui déployent, et la table mécanisme pour éviter que tu aies gagné
violation de monde, violation sexuelle qui a un rapport avec la guerre. Faut dire question ça, son question qui n'en débat parce qu'il y a parlé de immunité pour membre MMAS là et tandis que gain plusieurs et spécialistes en droit qui a parlé de causer ça, notamment nous attendons et mettre Madistin, Samuel Madistin, sur les radios Télémétropole, qui a parlé de questions d'immunité, à côté que si on monte à faire, et on membre équipe à faire violation, eh bien, faut y aller juger dans l'autre pays. Donc, c'est une déclaration, mettre Madistin, t'es fait sur Métropole. N'a pas essayé de joindre pour être capable de venir porter plus éclaircissement pour nous sous VOA Creole. Mais pendant ce temps, pendant que Kenya a voué premier contingent dans le pays d'Haïti, mais Kenya a une grande très grande difficulté, surtout président William Ruto. Mounap mouri et avant hier te gagné peuple souverain et peuple souverain l'un dit peuple souverain gagne plus de génération et c'est un paquet de jeunes et génération Z, génération X, ça les millennium, sont un paquet qui débarqué et même président William Ruto t'es même dit dans une cérémonie religieuse qu'elle t'a dit il saluait. Et il salue force avec vigueur que la jeunesse gagne. Mais bagala vire mal parce que avant hier, yo entré en dans parlement, yo boule, yo mette du feu, yo entré avec fracas. Et finalement, hier, gen président Ruto qui fait bac sous projet budgétaire, sous loi financée 2024-2025, là. Mais malgré ça, nous te pensons que hier, le président Ruto fait bac sous projet, là. Eh ben, t'as bon calmi, t'as, mon, t'as fait back tout. Eh ben, ah, bah, elle arrive pire. Jodia encore, eh ben, mon, yo, a tapé béton, hein. Yo descend dans béton, yo descend sous béton, hein. Pour yo même qu'on y a, yo pas mandé retrait loi, non, qu'on y a, c'est yo qui a demandé démission président William Ruto, dans le pays Kenya. Donc, n'a pas là, dans le moment, n'a pas là, Kenya chaud, pendant que, eh ben, troupes Kenya, yo même, yo nan pays d'Haïti pour aider dans question sécurité. Et puis toujours dans actualité a jodi a c'est un jour important, même gens que gen moun ki dit que et 25 juin son date pour kembe dans histoire pays d'Haïti, mais jodi a tout important dans actualité électorale ici aux États-Unis. Jodi a c'est 27 juin 2024 et ben c'est premier débat qui gagne dans cadre élection ou bien campagne ou bien activité préélectorale qui gagne pour élection et présidentielle qui pourrait dérouler en novembre, 5 novembre 2024. Donc, et tant que nous toujours hésiter pour nous dire deux candidats principaux partis, parce que normalement, selon culture et américaine, la culture électorale, là, c'est dans une convention que vous décidez qui est, qui est-ce qui pourrait être candidat en parti. Mais tout porte à croire, tout signe montre que, eh bien, pour le Parti démocrate, là, c'est définitivement président Joe Biden, président démocrate, là, Joe Biden, qui pourrait représenter le Parti démocrate, là, et puis, pour le Parti républicain, c'est ancien président Donald Trump. C'est ça qui fait que, à Soya, pral un gros débat qu'a fait dans Atlanta, gros débat, mais au point paquet de dispositions. CNN, qui lui-même, eh bien, en tête, c'est lui qui a diffusé débat, eh bien, au point paquet de dispositions dans le débat, ça. Première disposition, au point, c'est que, micro, deux micros, yo pral contrôler, yo. Monitorer deux micros. Ça veut dire, les anciens présidents, Donald Trump a parlé, y a fermé par, président Joe Biden. Et même, j'entends, les présidents Joe Biden a parlé, y a fermé par ancien président, Donald Trump. C'est pour éviter gros commotion, gros échange. Il y en a monté sous l'autre qui était fait dans le dernier débat qui était gagné. Les deux messieurs, parce que ça nous va regarder en novembre, c'est pratiquement un remake ou bien un rematch qui pourrait le gagner et par rapport à l'élection avant ça. Donc, il y a pile bagarre que vous faites, ou pas capable de gagner, par exemple, un souffleur ou bien un conseiller cap dans les oreilles, pas gagner non plus téléprompteur, il y a texte qu'on capable gagner sur on apparaît cap rouler devant pas gagner ça. Donc ça veut dire que pas gagner public cap chauffer tout non plus. Donc il prend un pile règlement pour que eh ben vraiment que ça cap passer bien, parce que en pile spécialiste dit que c'est l'image des États-Unis que vend à travers yon débat comme ça. Donc à soya, ben
yo pral américain gon le exact que le passé par ça et c'est toujours na soir vers 8 9 heures comme ça yo toujours passé parce que c'est l'heure de ça y aurait les heures de print aux États-Unis côté que toute famille et ben yo la caillou yo réuni et y a regardé télévision donc à soir son gros rendez-vous en pile je braqué sous rendez-vous ça et puis ta Jean-Aubert Philippe pral gain pour le présenter nous yo ça aurait en anglais yo preview ça nous aurait en créole yo aperçu yo idée de ça qui pral passer à soir faut dire que média américain yo gros média américain yo et ben yo prend ça très au sérieux yo gagne qui fait même yo repasser et débat qui était fait déjà gagne qui prend chaque candidat qui j'ai été réagi par rapport à débat que yo passé là-dedans donc c'est pour dire que et ben à soir son bail sérieux pral gain débat entre ancien président républicain Donald Trump avec président démocrate actuel là n'a parlé de Joe Biden. Et l'autre point dans l'actualité, c'est un coup d'état raté dans le pays Bolivie contre président Luis Arce. Eh bien, chef là, mais en parlant de Juan, ou bien ancien chef là, parce qu'on y a M. Bacode, chef là, mais ou bien ancien chef là, Juan José Zuniga, eh bien, qui est dans tête mouvement coup d'état raté. M. Jeune arrestation hier. Parce que monsieur te voyait carrément yon groupe soldat avec tank prend position devant building gouvernement. Troupe avec tank yon te entré dans Plaza Mourinho qui c'est yon place et qui définitivement yon place historique et côté présidence là à congrès yon situé et ben c'est dans après-midi que ça t'est fait. Yon nan tank yon te essayé même craser yon ça yon taré l'on barrière métallique on porte métallique dans palais présidentiel là. Donc et t'es gagné tout et ben chef l'état et pas chef l'état non chef et l'armée qui pas chef l'armée encore aujourd'hui et ben le tantôt avec soldat avec 8 tanks côté que il dit que on a parlé de général Juan José Zuniga qui dit que force l'armée gain intention restructurer démocratie faire li yon vraie démocratie et puis pour yon démocratie qui gagne puis qui pas gagne en tête li yon seul monde qui a dirigé depuis 30 à 40 l'armée. C'est un petit temps après ça tout que reporter AFP yo té wè soldat ak tank yo t'a rete koyo sous place. Donc soulèvement ça a été duré environ 50 ans tentative coup d'état ça que 50 ans yon petit temps après té gagne Zuniga donc ancien chef l'armée qui konn ya nan prison et ben il té embamé la police il també embamé la police et puis il forcé yo entrer dans yon il té forcé l'entrée dans yon machine police pendant li t'a parlé li di reporter comme ça. Tendez bien n'a parlé de ancien chef la mer Zuniga. Il dit que ça nous est là pas vrai. Il dit que c'est chef d'état même en parlant de président Assé qui lui même te dit pour forger un coup d'état même contre lui pour capable venir plus popularité dans pays. Donc ministre intérieur adjoint Johnny Aguilera te dit Zuniga général ou en état d'arrestation. Donc c'est pas dans monsieur sorti à lui-même. Et puis, monsieur a raconté journaliste sur cause de ça, qui dit que c'est pas lui même qui fait coup d'état, c'est le président même qui te mandé, fait ça comme si son chorégraphiste, son pièce théâtre. Mais, ministre intérieur, Johnny Aguilera dit, monsieur, eh bien, général, ou en état d'arrestation. Président, c'est lui même, tout l'été parlé avec peuple bolivien, dans un balcon en palais, devant des centaines de supporters, il dit, pas gen moun qui ka retiré démocratie, nous te gagné. Donc, son démocratie qui n'a men nous, Nap Kembel et peuple l'a mérité ça. Il dit bien bonheur, il demande des peuples boliviens pour lui organiser, mobiliser contre coup d'État et pour lui prendre position en faveur démocratie. C'est dans un message télévisé, il dit peuple encore, peuple bolivien, organiser et mobiliser contre coup d'État en faveur de démocratie. Donc jusqu'à avant, ancien chef l'État a été joué une arrestation, en parlant de Zuniga, il a dit au Porteo, c'est actuellement président lui-même qui est en tête. Tout cause ça. Donc, faut dire que dans l'opposition, il y a un ancien président Evo Morales qui était écrit sous compte X que coup d'État a préparé et il a demandé toute une mobilisation nationale pour défendre la démocratie. Donc, il y a un général là, tout, général là, instruction ACO, te scampé, te sapé yon bagay pour te augmenter popularité. Il dit, c'est un bagay que le président Assé te mandé pour te augmenter popularité. Donc, même Evo Morales lui-même, il prend position. Evo Morales qui pratiquement est en opposition, il te prend position contre coup d'état ça. Et même groupe opposition te contre lui parce que, eh ben, yon même,
si on était pour une position côté l'État pour que c'était monde qui parle légal parce que y a un président qui nommé qui démocratiquement élu, eh ben pour faire ça, ça veut dire ou contre la démocratie. Donc ça veut dire que Bolivie c'est un pays qui gagne en longue histoire de coup d'État. Et nous-mêmes, et Haïti, c'est un bagage que l'on aime parce que Haïti lui-même vit en pile coup d'État et Bolivie qu'on y a gagné coup d'État. Ça, donc, je dis que la presse Amérique latine, relayer information, ça, c'est ce qui fait la une, quoi aller Colombie qui tout prêt, quoi aller Venezuela, Cuba, toute zone Amérique latine, Argentine, Amérique du Sud, lui-même, toute zone là, lui-même, il y a même, il y aurait les informations, ça, coup tentative, coup d'état, ça, qui arrivait dans Bolivie. Donc, en gros, c'est ça, nous t'ai pour Jodia. Donc, rendez-vous, c'est à 4h pour rendez-vous info, mais nous connaissons pour cap dominer l'actualité, c'est question troupes Kenya qui arrivent en Haïti depuis hier, le premier contingent qui arrivait, premier ministre a tal visité, mais faut dire tout, parallèlement avec ça, il y a un paquet causé dans diplomatie haïtienne avec madame Dominique Dupuis qui lui-même d'une part c'est ministre affaires étrangères et des cultes et c'est ministre tout haïtien qui vit à l'étranger. Il fait en pile et rappel en pile moun, il rappelle en pile ambassadeur, il font pile changement dans diplomatie ya. Et donc madame ça allait bien vite non et monter comme ministre. Donc, son en situation tout qui mandait que pour nous suivre, ça a passé. Mais une question que avant mal me poser, que un pile monde qui a parlé socialiste pour qu'on gagne vraiment réponse là, qui premier tâche et premier contingent ça, qui premier travail que le pral fait, qui ça en premier que le pral fait pour capable montrer que parce que gon force là, qui gens que trop contingent ça pral exprimer, pral ou nous t'a dit illustrer présence li sous territoire pays d'Haïti. Donc son question qu'a posé grand pile question qui posait concernant mission force multinationale ça qui dans pays d'Haïti qui ça le pral faire qui premier bagaille que le pral faire. Donc en pile question a posé pendant ce temps gen moun qui croit tout que gen premier ministre Gay Koni qui ont déjà occupé tout espace politique à nous pas tant de trop et nous pas tant de trop commission qui gagne là-dedans qui est présidentielle là commission présidentielle de transition nous pas tant de en pile donc mais n'a suivre parce que grand pile changement grand pile causé qu'a parlé dans politique pays d'Haïti. Donc merci pour ce que nous t'ai branché dans live tout show, nous dit salut tout le monde. Pendant ce temps nous connaît que eh bien, Coupe d'Europe des Nations après l'autre phase, parce que gagne 8e de finale le Cap Vini, gagne tout et Copa América, Cap avance tout, et gagne Lionel Messi qui est en difficulté, nous te gagne Mbappé qui te gagne NKC, qu'on y a gagne Lionel Messi qui a joué dans l'Argentine, donc n'a pas su pour vous et n'a pas tes résultats pour Pita, et n'a rendez-vous. Merci pour attention, nous. Merci pour fidélité. C'est un plaisir, comme d'habitude pour nous d'avoir nous, VOA Creole toujours et content avec vous. Pour présenter aux dernières nouvelles que nous gagnons et pour vous. Donc, prochain rendez-vous, c'est à 4h. Nous gagnons des correspondants qui sont sous place dans Port-au-Prince. Gagnons, par exemple, notamment, Massado Villemette, gagnons une équipe journaliste qui était débarquée dans l'aéroport tout c'est l'ouverture là, sachant que tu as pas gagné un deuxième contingent que tu as privé, mais ils ont pratiquement sorti bredouille, mais pas totalement bredouille, parce que quand même, l'eau allait dans l'aéroport tout c'est l'ouverture là, quand même, il y a des images. Et gen moun ki la, gen journaliste ki la, gen yon paquet bay ko kapab wè et ou kapab fè yon reportage à partir de là. Donc journaliste elle déplacé et ben toujours pas quitter, pas sorti bredouille tant que nous te gen correspondant nou Massado Villemette qui sous place mais n'a sur pour nous capable bon toute information qui a sorti sous question ça. Nous pas seulement arrêté dans l'aéroport non mais n'a fait l'autre recherche parce que nous pour gagner vraiment information et sous ça. Nous avons essayé de rentrer en contact avec le chef de police là, Normil Rameau, pour nous connaître s'il était capable de nos informations sur lui. Malheureusement, nous pas joindre. Mais n'a pas laissé mathématiquement la France est qualifiée et il y en a fait qui marque en un match. La France pour l'Hollande, c'est que gagner Mbappé, nous connaissons qui a gagné un problème
et Nelan, eh ben monsieur retourner et avec Masli et pour match ça. Et puis l'autre match qui est important encore, c'est et Pays-Bas, la Hollande qui a joué avec Autriche. Et dans le moment où on a parlé là, Autriche qui a mené 1-0 sur la Hollande. Et puis l'autre match là, France-Pologne, il toujours 0-0. Donc, ça c'est dans le sport. Et nous connaissons que pour mon pays d'Haïti, nous connaissons que ce pays d'Haïti, c'est côté grand pile en pile fanatique Brésil. Et bien, hier, mon yo dormi mal. Hier, parce que Costa Rica, yon ti pays nan CONCACAF la, et ben li kebe tèt. Teng en teng avec Brésil, match a fini 0-0. Yon lot fait marquant et particulier nan match a, c'est que Vinicius superstar et Real Madrid la, et ben monsieur yon retire monsieur nan match sa. Donc Brésil ba la fini 0-0. Alors que grand pile moun ki tap, yon même yon tap du kon a combien gol que match là a fini parce que yote baye déjà le Brésil comme le grandissime favori tout pour compétition. Mais nous t'a même dit le fait bec à tête devant Costa Rica et match là fini 0-0. En allant l'autre plus gros point qui a dominé l'actualité, c'est tout pays Kenya yo, qui arrive à l'aéroport Toussaint l'ouverture la matin. L'été vers zone 9h20, 9h30 et gen media qui baye précision qui dit à 9h23. Yo t'est arrivé, mais gen l'autre moun ki bay l'autre chiffre tout, mais c'est entre 9h20 et 9h30, et ben troupe Kenya yo même yo débarqué dans pays d'Haïti. C'est dans cadre mission dans MMAS là, c'est mission multinationale appui pour sécurité dans pays d'Haïti. Donc c'est un vocabulaire que n'a pas kembe konya, MMAS, mission multinationale pour appui sécurité dans pays d'Haïti. Donc troupe est arrivé et nous capable mais dans pays gain média qui publier la voix de l'Amérique tout publier les monsieur quitter Nairobi quitter Kenya et ont été à bord avion était capable ouais dans avion cap prendre photo mais c'est avec une joie que nous ouais monsieur débarquer et nous ouais monsieur dans avion les ont débarqué avec drapeau pays Kenya et ils ont chanté tout dans il est arrivé à l'aéroport. Donc, c'est un premier contingent, ça veut dire un premier groupe qui vini, et nombre là c'était 400, et nous t'es capable de voir le président Kenya, et William Ruto, qui lui-même t'a rencontré monsieur avant que yo quitte Kenya pour rentrer en Haïti, dans le cadre de mission yo, dans le pays d'Haïti. Donc, l'arrivée dans l'aéroport, après ça, bon, journaliste pas de gain, accès que journaliste pas de gain, mais monsieur yo ou bien troupe yo même qu'on y a allé dans et base côté que yo quitté pour yo et poko gen on déclaration gros déclaration qui fait concernant ça nous même n'a pas essayé joindre et ça pour nous. Donc c'est comme ça situation y a gagné et plusieurs déclarations qui fait par exemple gagné Matthew Miller qui c'est porte-parole département d'état américain qui dit c'est un premier parmi plusieurs étapes importantes pour rétablir sécurité et prospérité dans le pays d'Haïti. Et M. Miller dit mission historique que Haïti t'a demandé et que Conseil de sécurité de l'ONU t'a autorisé, et bien vraiment, c'est un effort international. C'est une façon pour le dire que ce n'est pas seulement Kenya, même si Kenya est en tête, mais il y a l'autre pays qui a poté collé. Nous connaissons Kenya, lui-même, il t'a proposé 1000 policiers, mais en attendant que l'ivoire 400 d'après chiffre. Et M. Miller continue pour le dire, nous espérons ouais, amélioration mesurable vis-à-vis sécurité, surtout par rapport à accès et à assistance humanitaire à activité économique essentielle. Ça pral aider Kenya et qu'aider créer conditions à sécurité nécessaires pour élections libres, honnêtes et démocratiques faites dans l'avenir. Donc ça c'est parole Matthew Miller qui c'est porte-parole département d'État ici aux États-Unis. Donc c'est réaction le il était confirmé pour et pour nous que eh ben troupes Kenya ont vraiment quitté Kenya pour entrer dans le pays d'Haïti. Donc c'est une situation qui est très spéciale parce que dans le moment que Kenya et voye troupes yo eh ben gen tête chargée dans le pays Kenya. Tête chargée depuis quelques jours côté que gen yon paquet manifestants un peu partout dans Kenya qui protester contre une loi sous budget.
Et la DEO est plus jeune. Et monsieur le président Kenya, lui-même, William Ruto, il était participé dans une cérémonie religieuse, il parlait et lui-même, il dit que il félicite les jeunes parce que il voit que les jeunes ont une pile fougue, ils ont une pile énergie et ils battent bravo pour ça. Mais en attendant, ces manifestations anti-gouvernementales, j'avais dit contre le président William Ruto. Et président Ruto lui-même et bon l'a joué l'a fait le jeu de la communication côté que eh ben il pas ignoré ça qu'a fait là côté que il même félicité de ce que yo gagne en pile neige et jodi a bagala bala mangomé gen 5 moun ki mouri gen plus passé une trentaine de moun ki blessé côté que manifestant yo rentré ak fracas et met du feu nan yo rentré dans parlement donc yo fait bah tête chargée donc en attendant bilan c'est jusqu'à présent, c'est 5 moun qui mouri et on trentaine de l'autre blessé, gen chiffre qui baille 31 moun qui t'a blessé. Donc, c'est pratiquement situation entre Kenya. Kenya a dominé l'actualité. Premier contingent, rivé dans Port-au-Prince et dans l'aéroport où c'est l'ouverture là. Et il y a déjà qu'on y a pral établi, logement dans base qui était aménagé pour yoa et c'est comme ça d'après correspondant nous sous place qui fait nous connaître ça et puis pendant ce temps dans pays Kenya même dans base là au Kenya et ben pas seulement dans Nairobi nous dit Nairobi parce que c'est là gagné des institutions régaliennes notamment le parlement et ben nous dit ça mais c'est pas seulement dans Nairobi c'est plusieurs côtés dans la capitale à côté que yo entré dans parlement dans un moment que parlementaires t'a discuté sous loi budget ça et ça a demandé au même manifestants ont demandé pour rentrer loi budget loi sous finance que gouvernement ou toi mettez dehors. Donc en attendant c'est pour le moment c'est ça nous gagne comme information et sous question force multinationale pour appui sécurité dans pays d'Haïti et ben qui commençait avec premier contingent ça. L'autre fait nous capable signaler ben regarder score match a toujours. Match a toujours 1-0 bon côté Autriche avec Pays-Bas Autriche qui 1-0 sous la Hollande et puis 0-0 entre la France avec la Pologne. On retourne encore dans actualité à que nous t'es capable ça nous capable signaler pour c'est que et vendredi cap vin là c'est pral 27 juin 2024 et pral gagner et premier débat dans le cadre de l'élection présidentielle qui vient de dérouler 5 novembre Cap Vinla, ou bien 5 novembre 2024 là, eh ben, jeudi pour aller premier débat entre ancien président républicain Donald Trump et président actuel, la président démocrate Joe Biden, et grand pile gros sujet déjà, qui est déjà paraît dans l'actualité, notamment question avortement, notamment question politique internationale et par rapport à que et financement soutien et pour et Ukraine et pour Israël tout ça pral nan et puis sans oublier question immigration. Donc et rendez-vous c'est vendredi qui pral 27 juin pour gros débat entre deux représentants deux principales partis pays en parlant de parti démocrate là et parti républicain. Et puis yon l'autre gros nouvelle encore c'est fondateur WikiLeaks là en parlant de Julian Assange qui lui-même conclut un accord avec le gouvernement américain et côté que le pral plaide coupable pour ça il était reproché là. Et faut dire Julian Assange il était reproché de ce que il était exposé au grand jour de documents qu'il doit cacher bien caché et même c'était exposé au grand jour depuis 2010 et puis tu gagne 700 000 documents confidentiels que qui a rapport avec activité militaire et diplomatique américaine notamment en Afghanistan, en Irak. Donc monsieur mettait toute bagaille ça au grand jour. Donc c'est ça qui fait que américain t'a poursuivi pour ta même et fait entrer aux États-Unis. Mais qu'on y a là dans moment n'a parlé là ça crivé c'est que monsieur fait on deal avec gouvernement américain côté que le pral plaider lui-même l'a plaider coupable et que qu'on y a Libral gain pour aller devant le tribunal et normalement t'as supposé condamner à 62 mois prison et 62 mois prison c'est que monsieur tape toujours une liberté pour le retourner en Australie nous connaissons son natif natal pays Australie donc monsieur tape capable lui-même retourner
en Australie, il finit payer parce que 62 mois, il passe déjà dans prison et que donc il t'a vinn et pratiquement libre. Il y a une pile réaction qui fait sur ça notamment et avocat là qui est le français, ben me prononce bien Franceinfo Antoine Veil, ben me répéter encore Franceinfo Antoine Veil qui c'est avocat Julien Assange qui dit que eh ben quel que soit Jean Saïe, comme il se plaide coupable ou pas, eh ben le fait que le projet de liberté c'est ça plus important pour lui et il dit que client n'a qu'on a capable li livre que le veut. Il est capable de manger que le vle, il est capable de dormir Jean le vle. Donc pour eux, c'est une grosse victoire. Donc pratiquement, monsieur a plaidé coupable avec la justice américaine et l'a joué de liberté. Et après, il est passé 5 ans en détention provisoire dans le Royaume-Uni. Donc c'est une grosse nouvelle qui gagne pour dans l'activité internationale. Et puis, gagne. États-Unis qui a parlé de l'autre enveloppe 150 millions de dollars pour Ukraine pour continuer gourmer avec et pour réagir ou bien par rapport à l'invasion pays la Russie. Et puis dans la région Moyen-Orient, c'est toujours même inquiétude ça que autorité européenne et autorité américaine ont gagné pour vraiment que Liban pas tourner un deuxième et Gaza parce que l'armée Israël a mené des combats sur plusieurs fronts, notamment Gaza, notamment l'Iguen Rafal, dit pour Ratiboise Rafal, et puis tout le Liban, en parlant de l'Apgoumé avec M. Hezbollah. Donc, autorité américaine, autorité européenne, ils ont même dit que n'y a pas de deuxième Gaza. Et nous étions dernièrement là, tu as gagné secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, qui lui-même a fait même déclaration, il dit que le Patarimé a gagné un deuxième Gaza encore dans la même région et c'est crainte en pile et autorité pour ne pas gagner une escalade violence dans la région. Et match a toujours, match France et Pologne a toujours 0-0 dans la 44e minute de jeu. Et puis la Hollande contre Autriche et Autriche toujours a mené 1-0. Et donc match a c'est consacré lié et faut dire que la France même li on tient presque bien chita parce que déjà il déjà qualifié. Donc en gros c'est ça nous gagne pour comme information et donc pas oublier premier plus gros information par exemple pour pays d'Haïti, c'est définitivement ces troupes pays Kenya yo premier contingent qui arrivait dans le pays d'Haïti matin là vers 9h30 comme ça, qui arrivait dans l'aéroport Toussaint l'ouverture. Nous avons plusieurs correspondants sous place et cap capable ba nous toutes dernières informations. Nous avons rendez-vous notamment à 4h pour rendez-vous info, mais on capable toujours consulter nous et on capable toujours consulter nous et sur l'autre plateforme que nous gagnons et notamment dans